Salut tout le monde, et c'est Atatistique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo on va faire pour contre, donc voilà. Désolé s'il n'y a pas eu de vidéo pendant quelques jours. Alors que oui, mon anniversaire va se rapprocher. Donc je vous dis, je vous souhaite un très bon début du ramadan. Oui c'est vrai, c'est le ramadan, donc je vous souhaite un très bon début du ramadan. Donc bref. Donc, on va faire pour ou contre. Donc, voilà, ça a été fait par Johan Pops, qui a fait les questions, ce question-là avec Nouren. Donc, voilà. Il y aura les vidéos à la pâtisserie prochainement. Donc, mettez un pouce bleu si mes vidéos ne sont pas encore faites. Mes réseaux sociaux sont dans la description. Et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Je vous sur ce bon visionnage. C'est parti. Alors, première question. Pour ou contre, as-tu déjà fugué? Alors, je suis totalement contre. Donc voilà, j'aime pas quand ça fugue et tout. Donc, moi j'en ai assez marre. Donc, dites-le-moi en commentaire si vous avez des idées. Donc voilà, si vous avez déjà été fugué. Donc voilà, c'est parti. Dans une autre question. Oula. Désolé si j'ai mis la musique. Je suis un très grand fan du rock, c'est pour ça. Donc, deuxième question. Pour ou contre, as-tu déjà pleuré à l'école? Donc, je suis totalement pour. Donc, quand j'étais à l'école, je pleurais tout le temps. C'était quand j'en avais marre des histoires, j'en avais marre des insultes. Enfin, c'est insupportable. Moi, je suis insupportable de tout, en fait. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà pleuré à l'école quand vous étiez pas bien et tout. Enfin. Vous disiez à vos parents aussi, donc voilà. Ensuite, troisième question. Pour ou contre, as-tu déjà redoublé? As-tu. T'as été redoublé quoi? Donc là, je suis pour. Donc, alors, oui, quand j'étais à l'école, je me suis redoublé, c'était au primaire. J'étais en CLIS et CP, quoi, donc en gros. Jusqu'au Ulysse CM2. Donc là, je suis au terminal, je passais le bac. À la fin de l'année, si j'aurais eu mon bac, je vais dans l'université. Si j'aurais pas eu, je vais continuer à faire ma pâtisserie. Donc voilà. C'est mon métier, la pâtisserie. Donc voilà. Donc voilà. Allez, prochaine question. Pour ou contre, t'as déjà. Tu pètes en public? Alors, je suis totalement pour. Alors, moi, je pète tout le temps dans la maison. Normalement, il faut que je pète dans le couloir, sinon, ce sera dégueulasse. Ça pue, quoi. Donc, voilà. C'est moyen quand même. Ok, voilà. Prochaine question. Pour ou contre, tu es tout nu dans la maison? Ouh là là, non, je ne veux pas mettre tout nu dans la maison. Je préfère y aller proche, prendre une douche. Ok, voilà. Ensuite. Pour ou contre, tu as frappé des parents? Je suis totalement contre. Alors oui, ça va être très très lent pour ceux qui frappent aux parents. Donc c'est pas bien de frapper aux parents. Moi j'aime pas frapper à le mien, j'aime pas frapper à mes parents aussi. Donc voilà, moi je préfère pas frapper à mes parents. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu frapper à vos parents. Okay, voilà. Prochaine question. As-tu déjà eu une maladie? Alors oui, j'étais totalement pour. Alors, à l'époque, quand j'étais tout petit, j'avais une semaine ou 7 jours, je sais pas. Et le docteur m'a dit que j'avais maladie ce jour-là. Quand j'avais grandi, j'avais 5 ans et demi. Donc, quand j'avais 5 ans et demi, je parlais en retard. Donc voilà. Ensuite,
ou contre? T'as fait de la drogue? Alors, moi, je suis totalement contre parce que moi, je fume. Rappelez-vous, je ne fume rien. Je bois pas d'alcool, donc l'alcool est très dangereux pour la santé, donc en plus de ça. Donc, prochaine question. Pour ou contre? T'aimes ta copine? Alors, je suis totalement pour. Alors, oui, j'aime bien ma copine. Donc, moi, ça fait plus que 6 ans que j'étais avec ma copine et moi j'ai adoré avec ma copine cette anecdote-là. Donc, voilà. Attends, faut que je vais boire de l'eau parce que j'ai super soif. Voilà, parfait. Désolé, hein, j'ai soif. Voilà. Donc voilà, j'aime bien ma copine. Donc voilà, j'aurai des enfants plus tard. Voilà. Ensuite, pour ou contre, tu t'es fait virer au magasin? Je suis totalement pour, contre, pardon, parce que avant j'avais volé quelque chose, donc là maintenant je vais plus voler. Donc voilà. Il y en a d'autres qui aiment bien voler dans les gâteaux, des bonbons, des choses. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait ça. Donc, moi, je ferai pas ça. Ensuite, pour ou contre, t'as déjà arrêté? Moi, je suis totalement pour. Donc, il y a des gens qui arrêtaient pas, ils disent, moi, j'ai arrêtez, arrêtez-vous tous de vous moquer de moi. Par exemple. Et moi, j'aime pas aux formes de choses comme ça. Donc, voilà. Ok, allez, prochaine question. En plus de ça, ils arrêtaient pas à se moquer de moi, je disais à ma famille qu'ils arrêtent. Donc, voilà. Prochaine question. Pour ou contre, t'as fait une blague? Vas-y. Donc, pour. Parce que moi j'aime bien faire les blagues, donc vas-y, je la laisse maintenant. Alors, c'est histoire entre une baguette et trois caca. Trois baguettes et trois caca. Ensuite, les trois caca vont traverser sur les. Ils vont dire bonjour à du pain, tu vois. Et après. Ils sont entre copains et tout, et après. Ils rentrent chez eux. Dites-moi dans les commentaires si vous validez ma blague dans les commentaires. Donc voilà. Pour ou contre, t'as été malade? Ah oui, je suis pour. Donc je suis totalement pour. Donc quand j'étais à l'école, j'étais pas bien, j'avais mal à la tête, j'avais mal au cœur, je vais faire un. Voilà quoi. Donc voilà. Il y en a d'autres qui disent que j'étais malade. Oui, mesdames et messieurs, je suis malade. Donc voilà. Pour ou contre, t'as déjà volé de l'argent. Voilà, je suis totalement contre. Non, pour parce que j'ai voulu l'argent de ma mère et ça, c'est pas bien de voler. Donc voilà. Et dernière question. Pour ou contre, t'as déjà fouillé? Alors ça, je suis totalement pour. T'as déjà bientôt été marié? Ça, je pour aussi. Je vais vous inviter. As-tu disparu? Ça, je contre. Et t'as déjà mangé trop des glaces? Je suis totalement pour. Donc j'aime pas tout ce qui vient, tout ce qui est merguez ici, donc. Ce que je fais du sport, c'est pour ça. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, Nissan Time, mes vidéos sont encore faites. Je vous dis encore une fois, je vous souhaite un très bon début du Ramadan. Et mon anniversaire se rapproche. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!